Depuis début juin en Sologne, la canicule inquiète ces apiculteurs victimes d'une perte trop importante des abeilles cette année. La chaleur, je suis persuadé que ça les empêche de voler dans de bonnes conditions. La saison est terminée, là on est en phase d'hivernage. Alors c'est dur à dire en pleine période de canicule, mais la reine a commencé à arrêter de pondre pour réduire la population d'abeilles, pour l'adapter au mieux à son environnement, et vu qu'il y a moins de fleurs, donc moins d'abeilles dans la ruche. Pour maintenir la reine vivante, les abeilles sont obligées de ventiler la ruche en battant des ailes pour garder une température de 35 degrés. Une activité épuisante pour ces insectes affamés par l'absence de nectar des plantes en manque d'eau. La nature est sèche, elle est morte. On est à une époque où la bruyère devrait être en fleurs. Il y a notre thym de Sologne. Il est sec, c'est devenu du fourrage, mais ce n'est pas nourrissant pour nos abeilles. Les Français consomment environ 40 000 tonnes de miel chaque année et le pays n'en produit que la moitié. Les apiculteurs s'attendent à une récolte moins importante pour cette saison.